Bon. Attendez 2 secondes, les gens. Attendez 2 secondes. J'ai vu des messages. Je me mets prêt. Hein. Je pensais faire une pause pipi d'ailleurs, mais. Hop! Oui, j'ai des choses à déplacer. Autour de ma chaise gamer, lol. Non, en fait, c'est juste une bête chaise de bureau. Et ma vieille chaise qui. Ah là! Ma vieille chaise pliante en métal là qui grince à mort. Donc, on aura dit que c'est. Un dérapage de voiture là à chaque fois que tu plies la chaise. Hop. Oui, donc je prépare le prochain best-of en attendant. C'est normal que. C'est bon. Et voilà, on y est enfin. Ah. Alors. Ok, attendez, j'ai oublié le plus important. Faut quand même que je dise les commentaires. Hein. Je prends mon téléphone hein, pour lire les commentaires parce que chaque fois appuyer sur la touche option et puis regarder les affichages gnagnagna, et regarder les commentaires du coup c'est chiant donc je vais plutôt aller sur mes propres lives et bah, tout simplement répondre du coup bon alors oh, coucou Clément mon petit Clément. Comment va? Et du coup, bienvenue, salut à tous, c'est Makimur, je suis retrouvé aujourd'hui pour l'épisode. C'était le 9, hein, je pense. Ouais, enfin. Ouais, le 9, le 10, le 11. Je reverrai. Attendez. Pour être sûr. Pour être sûr. Donc, le précédent, c'était. Le précédent, c'était épisode 11. Ah, bah c'est pas grave, je rectifierai. Parce que je sais pas si vous voyez, à chaque fois, aux rediffusions, je change le titre. Et je fais comme si c'était une vraie vidéo. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Il récupère petit à petit son truc, lui. Ok, bah du coup, salut à tous, c'est Baggy, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de la survie sur Arcaveration. Précédemment, nous avons fait une petite séance de chasse et pêche, nous avons apprivoisé un coelant qui est mort par un piranha, et on a apprivoisé un piranha, lol, du coup. En Orcam, j'ai fait énormément de farms de métal, de toute façon c'est même pas loin, c'est juste derrière la maison. Donc à la limite, voilà. Je me suis aidé mon ravageur aussi, parce que faire des allers-retours, voilà. Bon, vous remarquerez que j'ai tout rempli de métal, et que j'étais chercher aussi du bois fongique. Donc franchement, au niveau métal, je vous le dis, on sera nickel. Ce que je comptais faire, c'était faire une petite... comment dire? Une petite plateforme pour pouvoir aller pêcher. Parce que la dernière fois, je pense que je galérais à me positionner correctement. Et bah justement, on va faire tout ça. En espérant que le Carquinos, ou deux Carquinos qui se baladeraient par là, ne détruirait pas les petites fondations que je vais placer. Donc, on va faire ça en bois. Hein, en pierre, en bois. Je pense que ce serait mieux en pierre, hein, ça peut être un peu plus résistant. Ouais, on va prendre des fondations... Fondation, pilier, tout ce qui est en pierre. Hein. Au pire, on peut faire ça directement. Pierre. Alors, mur en pierre, fondation, ça. Ça, on s'en moque un peu. De toute façon, on va pas changer la base pour le moment. Hein. Tout ce qui est plafond, mur et plafond, fondation, ce serait pour ce que je vais faire. J'ai comme une nation de sauvetage. Vous pouvez y poser des murs. Ne suis pas le seul. Vous pouvez donc construire des clôtures à des niveaux différents. Ah! Ça j'avais jamais vu. Ça on peut apprendre aussi tant qu'on y est. Cadre, fenêtre, non. Large mur, cheminée, balustrade, ça va nous aider balustrade.
cadre de Dinotrap peut-être. Plateforme rocheuse en pierre. Alors ça c'est intéressant. On va tenter de s'en faire une à un moment donné. Ouais, on va tenter de s'en faire une. Quoi, va pas me dire que j'ai... Ah non, j'ai juste recherché des trucs en pierre. Je vais dire quoi, y a que ça comme objet? Non, non, regardez. J'étais en mode quoi, y a que ça? Non, non. Il n'y a pas du tout que ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut justement? Attendez, je vais aller voir vos messages. Parce que j'ai vu qu'il y en avait deux, je pense. Deux, hein, ouais. Tu m'avais pas dit que tu devais aller chez Mélo. Alors, non, au final, j'y vais demain. Voilà. Voilà. Voilà, donc le résultat. Ouais, parce que au final aujourd'hui je dois... Enfin mes parents m'ont dit que je devais faire un truc, garder le petit parce qu'il y a une personne entre guillemets importante qui vient aujourd'hui et tout. Donc elle est venue et voilà, du coup je reste à la maison et je vais chez ma moitié demain. Voilà, pour la petite anecdote personnelle. Alors, fondation en pierre, il nous faut déjà commencer par un bon commencement. Hein? Trop de neige. Il a neigé chez toi aussi? Ah oui, non, 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 c'est ce que je t'avais montré hier, ça. Donc il nous faut du bois, de la pierre et de... Mais j'ai donné la pierre, j'en avais pris au passage, hein, parce que j'avais été récolter du métal, comme je vous avais dit. Et donc j'ai su récupérer de la pierre en même temps, donc j'espère que ce sera pas trop lourd. Ah, non, j'ai rien dit. Déposer ça petit à petit. Ok. Fondation. Ok, du bois. Ouais, de la pierre, on en a. Un branchage, bois. Ok. Ok. Donc, il faut tout simplement. Tout simplement aller en chercher. Ouais, j'ai eu peur du par hasard. Tout simplement aller en chercher. Et c'est pas loin du tout. Avec nos jolies petites pierres tombales. Parce que notre petit Trump est mort. Hein, honneur à lui, hein, du coup. Voilà. Et la première fois que je pose une pierre tombale pour un dino ici. Hein. Faut, bah avec le peu de pierre le peu de dino qu'on a, vous allez me dire. Hein. Du coup voilà. Faisons tout ça. Récupérons le bois. Ah, attendez, je vais quand même refabriquer tout ça. 2 et 3. On va déjà aller voir pour aller poser bah, tous ces fameux, ces fameux, c'est pas, ces fameuses, qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, voilà, les fameuses fondations. Du coup, on va voir où on pourrait les mettre. Évidemment, on essaiera de choisir un endroit facilement accessible. Quand je dis accessible, c'est niveau dino parce que je sais bien que... Oh, il est toujours là notre piranha, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que là, niveau de profondeur est bonne? Ça va, ça c'est profond quand même. On va juste poser ça comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller faire des plafonds. Plafonds. On va en faire plein, hein, des plafonds, je vous le dis. Ouais, du coup, quand tout ça sera bon. Voilà, plafond.
On en a pas fait énorme, hein. Alors, on peut juste faire un espèce de petit pot comme ça, au pire. Hein. Oui, aussi, faut bah, fabriquer les piliers. Ça va être chaud, hein. Ça va être long à fabriquer. Hein. Attendez, piliers, est-ce qu'on en a assez? C'est juste le bois, en fait. What? On a déjà quasi plus de. Bah, vous savez quoi? On a déjà tout fabriqué à la maison. Ça va être un peu plus rapide. Hein. Hop. Alors, en premier, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut se débarrasser déjà maintenant? Bah, il n'y a rien qui nous ennuie, hein, techniquement. Pas vraiment grand-chose qui nous ennuie. On peut juste augmenter notre poids, ça c'est plus cool. La vie. L'énergie, le poids, hein. L'attaque, la vitesse. Quoi ensuite? Ah, et la résistance. Voilà, c'est mieux ainsi. Bon. Maintenant, on peut transporter plus de choses. Alors, alors toi aussi, tu devrais avoir un peu plus de poids, ce serait cool. Voilà. Il se lèche les babines. D'ailleurs, j'ai vu que les champignons repoussaient depuis. C'est cool. Attendez, je mange un coup. D'ailleurs, c'est pas les baies que je devrais avoir, c'est ma viande. Voilà. Ah, faut attention à l'ours quand même. Ce serait malheureux qu'on se fasse choper. Hop. Allez, on continue avec le bois. On va se faire comme un kit en fait de construction en pierre. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Encore du bois. Voilà. Heureusement qu'il fait jour. Hop. Ok, maintenant on va prendre la pierre qui est dedans. On va tout prendre. Voilà. Maintenant on va mettre. Faire peut-être deux fondations là. Plusieurs plafonds. Surtout des piliers. C'est déjà pas mal comme ça, hein. Allez. On va déjà aller poser tout ça. C'est pas très loin quand je regarde. En plus, s'il y a un beau chemin, là. Il n'y a pas vraiment de danger en plus. Donc, tranquille. Franchement, on est très bien ici. Hein. Bon, on continue. On va mettre... Ah oui. Les piliers.
va remplacer par ça. Il n'y a pas moyen de... Non, pas comme ça, pas comme ça. Je vais les placer en profondeur. Je vais placer ça en profondeur. Ah, on y était. Voilà, magnifique. Comme ça, il y a moins à placer et en plus, c'est nickel pour faire les autres constructions. Alors, on peut pas continuer. Voilà, parfait. Continue. Attends, on peut quand même mettre un plafond. Magnifique ça. Il y a un obstacle. Oh bah ça je sais, merci. Ok. Ça c'est fait. Maintenant on peut carrément remettre peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait remettre? Hop, un truc ainsi. Voilà. Ah ouais, ok, non, c'est pas la même chose. On va faire des trucs un peu en suspens, comme ça. Regardez, là, c'est bon, là. Il suffit juste de rajouter quelques petites... Attends. Faut s'assurer que très bien là, c'est très bien le petit bassin là, et en plus les poissons ils savent passer tranquille, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Ok, maintenant oui, on va juste mettre des piliers parce que sinon ça va boucher un peu tout. Voilà, est-ce qu'on s'est ramassé naturellement ça par exemple? Magnifique. Alors, est-ce que ça encore en fabriqué? Bien sûr. Encore en fabriqué un, lol, un. Et c'est quoi qui nous manque? La pierre. Et après il nous manquera... Oh, le bois ça va. Hein. Il nous manque juste de la pierre. De toute façon la pierre on en a plein, donc pas de soucis. Et voilà. Une site, une fondation. Ok, donc on va mettre le pilier. Voilà. Bon, on va juste faire un petit truc ainsi, hein. Un petit poste de pêche. Voilà. Fais ça tranquillement.
Ok, on met un pilier. Ça a l'air de tenir, hein. Magnifique. On remet encore un pilier. On connaît la chanson. Voilà. On en refait un. Parce qu'il tient pas vraiment. Ah si, il est dedans. Ah, il est dedans. Donc ça veut dire que normalement. Voilà, magnifique. Ok. Hop, on refait ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Une manta morte. Lol. Ok, maintenant on ira rejoindre les deux endroits comme ça. C'est de la pierre qui nous manquait, donc... Autant faire ça comme il faut. On va débarrasser ce qu'il y a. Hein. Quoi ça? La pierre. Allez. Voilà, maintenant on a ce qu'il faut, non? C'était de la pierre qui nous manquait, hein? Oui. Bien sûr. On va faire un joli petit poste. En soi, ouais, bon, c'est pas super grave alors. Baf, ouais, si, allez, bon. Ok, on va mettre un pilier. Mais ça m'énerve en fait qu'ils sont pas comme ça dans. Voilà. Et après, on mettra de la lumière. On commence à rien y voir. Hein. De toute façon, à mon avis, on aura fini avant. C'est emmerdant à mettre, hein, je le dis. Hein. Magnifique. Hop, 2. Normalement, on en pourra en mettre encore un et puis ce sera suffisant. Hein. Faut vraiment que celui-là on arrive à le mettre tout dans le fond. Hein. Oh, et au pire, on pourra se faire un petit. Ouais, non, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée. Comme on n'arrive pas à mettre ça correctement, je pense qu'on va faire autrement.
Voilà. On va mettre deux autres piliers. Une. Deux. Faut encore de la pierre. Après, on fera des balustrades. Hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ah, mais attends, c'est le bois qui nous manque. Pour l'instant, on a fait un beau truc, hein. Ouais, casser un peu de bois et un peu de pierre. Voilà. Hop. Donc on va en mettre un chaque, enfin un sur chaque côté, pardon. Comme ça. Celui-là, on va faire ainsi. Comme ça. On fera un plafond en triangle ici. Ouais, c'est ça, hein, plafond en triangle. Ah, je regardais parce que ma chaise du bureau qui descendait petit à petit, en fait, je pense qu'elle est un peu capoute. Rip la chaise du bureau. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est toutes les prises qu'on a eues. En fait, on va mettre un coffre ici ou quoi là. Ouais, voilà. Et ça va être un peu plus cool. Ok, maintenant on peut faire ainsi. On en refait un dernier. Et encore un même. Ah oui, attendez. Petit pilier. C'est pas ça que je voulais. Attendez, on va aller chercher notre petit bulbdog parce que oui, j'en ai réapprivoisé un. Et on va pas l'appeler Trump, on va l'appeler autrement. Pourquoi on va l'appeler autrement? Parce que je n'aime pas donner des. Ce serait comme remplacer la créature qu'on a eue et j'aime pas ça. Ça. Enfin, quelque part, c'est du remplaçage parce qu'il nous faut quand même un dino qui fait de la lumière. Mais voilà, on va l'appeler autrement, hein. Et je pense que j'ai un petit nom à lui donner. Ce serait. Attends, qu'est-ce que c'était déjà? Allez! Oh, tant pis, on va lui donner un. Un prénom tout con, voilà, on va l'appeler Albert. Allez Albert.
Allez. Go. On prendra un ours au passage, parce qu'il est tout le temps là, lui, à côté de nous. Retournons à nos moutons. Bon. Alors, notre petit stand. Voilà, comme ça on verra mieux. Placez deux en dessous, s'il vous plaît. Allez, hein. Attendez, est-ce qu'on a plus de chance en faisant ça? Voilà. Et normalement. Voilà. Donc ici, ce sera des fondations triangle. On va faire ça tout de suite. J'ai vu que j'avais des messages, donc je vais les regarder, les gens. Heureux, j'ai fait mon histoire. Comment ça, ton histoire? De quoi te parle? Fondation triangle. Et c'est, je pense que c'est en anglais que ça se dit. C'est sailing. Ah non. Bon, attends. Triangle, 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 triangle. En pierre, magnifique. Plafond triangulaire en pierre. Il est où? Il est où? Allez là. M'en faut quoi, deux? Hop! Notre YouTube dans le titre t'as mis épisode 9 alors que c'est le 12. Ouais. Histoire géo. Ah d'accord. D'accord. Ouais, c'est vrai que vous avez cours vous, je pense. Oui, non, c'est normal, nocturne. Je me suis juste trompé, ça arrive. Mais en fait, je le recorrigerai à la rediffusion, quoi. C'est ça que. C'est ça que je dis. Ouais, non, au final, il va m'en falloir 4. Que ça va être perturbant tout ça? Comment va-t-on faire? C'est quoi ce truc de. Ce truc de brin? Attendez, j'ai une autre idée. Oh, tu vas pas m'emmerder avec ça quand même! Bon, attends. Je suis obligé. Attendez, on va peut-être ramasser ça avant. Ramasser ça. Ramasser ça. Et ramasser ça. Hop. 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 Voilà. Hop. Hop. Et c'est bon. On va faire ça ainsi. Ça a l'air un peu plus. C'est un peu plus arrangé. Ok, maintenant ça on le détruit. Oui les gens, parce que j'aime bien quand c'est bien. Mais bien arrangé, hein, du coup. Ah, mais ça va pas nous aider comme ça. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire un truc ainsi, voilà. 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 Et voilà, c'est beau comme ça. Euh,
Il s'est bourré quand il l'a lancé. What the fuck? What the fuck? Pourquoi? Le game sur ça, normal. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? N'est-ce pas joli? Attendez, j'ai oublié de mettre le petit bazar ici. L'autre petit plafond. Ouais, je peux pas faire de plafond. Il manque encore de la pierre, c'est abusé. Toujours de la pierre. Hop. Putain, c'est une minuscule pierre, elle donne quand même plus de pierre que les autres. C'est incroyable ça. Ah, voilà. J'ai faim. Hop. Voilà. Voilà. Eh, c'est ça, c'est cool. J'ai entendu un chat miauler, non? Non. Je sais pas, à moins que j'ai pas entendu ce qu'il y a à l'extérieur de mon casque. Ouais, parce que j'entends pas grand chose non plus. Donc ça se peut. Hein. Ça se peut. Allez. Quoi? Ah, ok, manque du bois. J'ai combien de. Ouais, 164, ok. Aller un peu plus loin dans la forêt parce qu'il faut laisser quelques arbres quand même. Voilà. Et un autre pour les branchages. Voilà. Eh, je suis attentionné hein, pour mon petit truc de pêche là. En même temps, si j'ai des petits dinos aquatiques ou quoi, ça pourrait être cool. Que j'ai des coélantes et tout qui viennent en dessous, donc franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. Hein. Hop. Oui, donc ces coins-là, ça va être pour lancer la canne à pêche. Alors, n'est-ce pas magnifique? On va appeler ça une station de pêche. Voilà. Hop. Il y a un trilobite en dessous. Je suis ravoué, il y a un œuf là-bas. Attendez, laissez-moi aller voir. Ah, c'est un œuf de dodo lapin.
Il y a vraiment un trilobite qui est coincé là. Oh, ça va. Eh, mais j'en ai justement besoin, moi. Attends. Et c'est comment qu'on les apprivoise? Oh, ouais, vas-y, on va l'apprivoiser. Comment on fait une nasse, hein? Une nasse, une nasse, une nasse. Elle est où la nasse? Ah voilà, elle est là. On fait des fibres. Ok, on va faire ça. Espérons qu'on va placer le truc correctement. Hop. Go apprivoiser un trilobite. Il est encore là? Vas-y, il est encore là. Attends. On va essayer de le placer correctement. Go! Et voilà! À nous le trilobite. Allez, attendez, on va le replacer dedans. Gardez les gens! On a apprivoisé un trilobite! Wouh! Je sais même pas ce qu'il mange au fait. Genre il a une selle. Non, sans... Non, genre. Non, il y en a... Ouais, attends, parce que c'est vrai que je commence à me noyer, moi. Wow, on peut lui augmenter son attaque et tout. Mais quoi, il mange du poisson lui? Bon, on verra, hein. Vas-y! C'est génial! Ça, c'est vraiment des trucs que je pensais même. Attendez, on va refaire une nasse. Ah ouais, bon bref, on va continuer à la place à notre... Oui, je pouvais tuer le trilobite, oui. Mais s'il y a moyen, limite de... Limite de les... comment les reproduire, hein, pour avoir plus de pétrole, ça peut être cool. Ça peut être vraiment cool. Alors, on continue la construction... Hop. Bon là ce sera quoi des rampes? Ouais, des rampes. Il faut de la pierre. Jésus, depuis combien de temps? 40 et des minutes. Attendez, je relance le live.